Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat pour une partie de Shard of Infinity avec Gabriel et Madame, partie à 3, chacun pour soi. Alors, on a nos decks de départ, on les mélange, je vais mélanger le marché un petit peu et le présenter. Ensuite, on tirera au sort qui commencera. Sans tirer sur le fil, il faudra peut-être attraper un petit dé. Oula. Le marché qui se sauve. Petite coupe. Et on fait le marché. Alors on a une sentinelle des ténèbres. On a un champion spectra. Un Evocatus champion Modéus, une Valkyrie des Landes, mercenaire, un prophète de l'éclat, mercenaire, et un drone minier allié au Modéus. Alors, je vais mettre le marché à l'extérieur, comme ça on verra mieux les cartes, ce qui est plus sympa, et puis ça laisse de la place sur le côté. Qui a un dé ? Fais gaffe au fil. Allez. 5 et 3. Ah. Et c'est pour moi. Alors, 1 de maîtrise, 2 de maîtrise. Alors, j'ai 6. Alors, je vais prendre. Je vais prendre un prophète de l'éclat pour 3, qui me fera gagner 2 de maîtrise, et un pirate hérétique qui me fera piocher 2 cartes. Et c'est fini pour mon premier tour. Moi, j'ai 6 cristaux. Toi aussi ? Ouais. Donc tu as pris le IA Systema, un champion qui fait gagner 1 de maîtrise, et quand on a 20 de maîtrise, il fait piocher 2 cartes aussi. Pour 2, je prends drone minier. Alors lui, il fait gagner une ressource et piocher une carte, c'est ça? Un cristal. Et pour 1, je remonte... Ta maîtrise. Les étoiles. Ta maîtrise. Et les points de vie. Les étoiles. La maîtrise et les points de vie. Ben non, juste les étoiles. Un dégât chacun. C'est la maîtrise, ça. Oui. Et les pansements. Voilà. Un dégât chacun. Oui. Et c'est bon? Ah non. T'as acheté d'abord ou qu'est-ce que t'as fait? Je monte à ma maîtrise et c'est bon. Ok. Alors, pour 3. Je vais prendre une sentinelle des ténèbres. Et je peux faire 3 dégâts, donc je vais faire 2 et 1. On va ta préférence. Pour l'instant, je sais pas trop, après je verrai. Hein. Allez, à toi. Et 3 dégâts, 2 et 1.
À toi, Cam. Un dégât sur toi. Tu vas pas commencer par acheter au cas où tu prendrais un mercenaire là ? Non. Je sais pas si c'est pas indiqué comme ça en fait. Hein. Oui, donc phase de jeu, on active des champions, on recrute des alliés, on enrôle, on utilise des concentrations, ensuite on fait ses dégâts et on assigne les dégâts à la fin. Maîtrise de 1. Voilà. T'avais combien de cristaux là 3, 4. 4 et t'as pris 3. Un apôtre des ombres qui fait 2 dégâts et lui là. Oui. Lui, il fait 2 dégâts et 6 s'il y en a un. Ah, s'il y a des spectres. Ah oui, d'accord. Il fait mal celui-là. Ok. Alors, je vais piocher 2 cartes. Ensuite, je vais gagner 2 de maîtrise. J'ai 3 cristaux. Je vais prendre et mettre dans ma défausse du coup un allié, mercenaire. Ensuite, j'ai 3 et renvoyer un mercenaire depuis votre défausse dans votre main. 3 et 3, 6 et 2, 8. 4 et 4. Ah, 2 pour toi alors. J'ai une carte. Donc ça fait 2, 3, 4. 3 dégâts. 2 et 8. Ah oui, tu as dit qu'il fallait acheter d'abord, mais je fais pas. Bah oui. Parce que si tu prends un mercenaire, t'appliques pas les. Voilà. Donc on essaye de se cantonner à ça. C'est quoi mon champion? Ah oui, d'accord. Bon, je vais prendre. Je vais prendre ça. Micro. Courage. À toi, Gab. Pour 1, je prends ça. Tac. Pour 1, je prends ma maîtrise. Et je bannis cette carte, donc je la mets à côté. Ouais, ouais. Voilà. 3 dégâts, 2 sur toi et 1 sur moi. 2 sur moi ? Oui, non, 1 sur toi. Donc j'ai 5 cristaux. Je vais prendre un champion et Focatus et augmenter ma maîtrise de 1. Et je fais un dégât à Décima. Alors, gagner. Une maîtrise. Ouais, je retiendrai jamais. Une étoile, c'est bien une étoile. Une maîtrise et des points de vie. C'est pas compliqué. 2, 3, 4. Je prends ça pour 2. Je m'augmente ma maîtrise de 1 et 2 dégâts. Et 42. Ben, chacun.
À moi? Oui. J'augmente ma maîtrise de l'art. Tac. Et 7 dégâts. Ouf. Donc 4 sur toi et 3 sur. Non, pardon. 9 dégâts. Donc 5 sur toi et 4 sur toi. Où ça? Sur ton machin. 4 sur moi, c'est ce que t'as dit? Oui. 4 sur son champion? Et 5 sur moi? Oui. D'accord. Ok. Ah, mais j'avais pas encore pioché mes cartes. Oh, et t'as un bouclier? J'ai un bouclier de 2, ça fait quoi du coup? Bah rien, il t'avait mis que 4. Donc lui, il ah non, non, là il a ciblé le... Ah d'accord, c'est le bouclier, ça ouais, fait rien. C'est que pour toi le bouclier. Ok. Alors j'ai un champion qui me fait piocher mes cartes. J'ai un pirate hérétique qui me fait piocher 2 cartes. J'ai 4 cristaux. Je vais prendre... Je vais prendre... Un zélote des épines. Ensuite, il me reste 1. J'augmente ma maîtrise de 1. Et j'ai 3 dégâts à faire. Les 3 ici. C'est moi? Oui. Piocher une carte. Envoyez un champion depuis votre défausse dans votre main. C'est bon? Oui. Oui. Donc j'ai gagné 1. Oui. 1 de quoi? Maîtrise. La petite étoile. Par jaune. Contre, t'as vu que regarde, t'es sorti là du. Hop. Voilà. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. 2, 3, 4. Il y a 4 dégâts. Alors, attends, quatre, fais d'abord tes 4 cristaux. Parce que tu pourrais très bien essayer de prendre par exemple celui-là en one shot, faire 4 supplémentaires. Pour mercenaire. Et ouais. Un one shot, je comprends. Hein. Et faire perdre 2 de maîtrise à un joueur. J'ai dit combien? 4? Je vais prendre ça pour 3. Monter ma maîtrise de 1. À moins est-ce qu'il y a une carte à 1? Non. 6 et du coup bah 2 dégâts chacun. À toi Gab. Alors regarde, par contre si tu veux le mettre là, comme ça t'as de la place pour jouer des cartes au-dessus. Tu fais quoi là? Cristaux, j'achète ça. Ah. C'était quoi ça? Parce que tu des rates. Points de vie ah, et. Des points de vie. Ouais. Pioche une carte. Je bannis cette carte. Et 3 dégâts. 2 et 1. Et 2 pour qui? Non. Si. T'as pas de bouclier? Non. 2. Alors, gagner 2 en maîtrise. Du coup, là, j'ai 3, 4, 5. Pour 5. Bon. Je vais prendre celle-ci.
la mettre dans ma défausse. Donc 4, j'avais 5, c'est ça? 3 et 2, 5, oui, j'augmente ma maîtrise de 1. Ensuite, j'ai gagné 3 et renvoyé un mercenaire depuis votre défausse dans votre main. Donc ça fait 7. J'ai un champion, donc un des deux va perdre 2 de maîtrise. Ça va être toi. Et j'ai en tout 7 points à répartir. Donc 5 ici, j'ai 2 ici. C'est lorsque tu joues le champion que tu pioches une carte. Ah, je peux pas piocher une carte. Pas à chaque fois, oui. Moi, c'est pareil. Hein. Lorsque vous jouez ce champion, piochez une carte. Mais je l'ai pas fait. Oui. J'espère que tu l'as pas fait 70 fois. Bah non, juste quand j'ai... Oh, c'est pas juste. Par contre, celle-là, tu peux gagner une maîtrise à chaque fois. Oui, ça, je l'ai en l'inclinant. 3 et 3. Alors, j'ai 6 cristaux. Et lui, c'est activé... Il faut 3 cartes spéciales. Ah oui, il faut les 3 différentes. Combien de cristaux ? 6. Oh là là. Non, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que t'as dit ? Je vais prendre celle-là. Ah. Et j'ai un dégât sur toi. Voilà, super. Hop là. Suivant. Oh, punaise. Pourquoi toutes les cartes de points de vie, elles disparaissent? Ben, moi, j'en ai pas une seule. Trois cristaux. Je joue un en maîtrise. Ouais. Donc t'en as que deux. 8 dégâts sur tes deux machins. T'achètes rien ? Non. D'accord. T'es pas gentil. Alors j'ai gagné 2 en maîtrise. Pour 3. Je vais en prendre. 7 ermites fongiques. Oh. Et ensuite, je fais 3 dégâts. Deux et un. Pioche une carte. Un sur moi, c'est ça? Oui. Donc j'ai 2, 4, 5 cristaux. Pour 2, j'achète ça. Bah, tu pouvais parer les. Non? Quoi? Les dégâts? Je vais les piocher avec une carte à piocher. D'accord, ok. Renvoyer un mercenaire depuis votre défausse dans votre main. Mm-hmm. Je gagne 4. Mm-hmm. Et tu peux détruire un champion adverse du coup que tu as une autre. Lorsque vous voulez piocher une carte. Ça, toi, c'est quoi, ce champion ne peut pas être attaqué avec des points d'attaque. Ah bah voilà. Tu me l'as détruit ? Ah bah oui, du coup. Tant mieux. Ah, toi. Et attends, j'ai encore 3 dégâts. Et j'ai acheté qu'une carte à 2. Donc j'ai encore 1, 2, 3 pièces. Bah pourquoi t'as pas fini tes. Bah, oui, tu faisais les effets des cartes. Effet des... 3 pas cristaux. Ah oui.
Je vais prendre ça. Donc j'ai acheté pour 5 et j'avais 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Et du coup, 3 dégâts. T'as combien, Gab? 33. Moins 32. 2 et 1. Ouais, toi, Gab. Je sais. 4 pièces. Ouais, Christo, c'est ta mère qui t'a. Christo, oui. Ah. Neuf dégâts. Combien et combien? 39 et moins 31. 2 sur ton machin. Et 7 sur toi. Combien? 5 du coup. C'est bon? Oui. Alors, piocher deux cartes. Alors j'ai 1, 2, 3 et 3, 6. Je vais prendre à 3 celui-ci. À 2 celui-ci. Et à 1 celui-ci. Tout ça, c'est dans ma défausse. Ça, c'était pour mes cristaux. Ensuite, ça va, c'est fait aussi. Alors, j'ai 4 et 3, 7. Et je peux aller chercher un mercenaire pour le, dans mes défausses pour le mettre dans ma main. Je vais jouer celui-ci qui me fait monter à 10 et me permet de reprendre 5 points de vie. Et au niveau des dégâts, du coup, ça fait 8. Ça fait 5 et 3. Ça fait que 3. Ah, pourquoi t'as... Ah oui, t'as un bouclier. Sur toi. Il était quand t'as fini d'acheter des trucs. Là, à la fin. 3 sur moi. Bon. Bah, t'as 36. C'est bon? Ouais. Gagner 4 points de vie et piocher une carte. De cristaux. Augmente ma maîtrise de 1. Et 6 dégâts. C'est quoi vos points de vie? Moi j'ai 33 et 31. 4 et 2. Le bouclier 3. Que tu jettes du coup? Non.
Ah bon? Non, non, on le garde dans la main, on présente et après on... 4 et j'enlève 2 encore, c'est ça? Normalement, jusqu'à maintenant, on l'a non. fait... Ah, non, tu non, me non. fais 6 dégâts ça, on fait comme ça. C'est quand le... Non, non. 4 et 2. 4 sur... Ah, et 2. D'accord. Non, non, on l'a jamais jeté, le bouclier, on le présente et par contre, quand on le joue, les 3, ils comptent plus, quoi. Ok. T'es bon? Oui. Alors... Lorsque vous jouez ce champion, piochez une carte. Ensuite, j'ai pioché une carte. Pour 3. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, j'ai gagné 3. Alors, comme j'ai joué une carte, je peux détruire un champion adverse. Il est détruit ou pas? Ah, il est dans la défausse. Dommage. Donc, il n'y a pas de champion. Et je gagne 5. 5 et 3. 8. 8. Je vais faire 4 chacun. Alors, piocher 2 cartes. 4, tu dis ? Oui. Gagner 4. Qu'on a dans les mains. Oui. Tu peux pas la garder. Est-ce qu'on peut la défausser sans la jouer? Oui, oui. D'accord. Et du coup, j'ai 2 dégâts sur toi. C'est bon? Oui. Je gagne un de maîtrise. Hop. Je bannis cette carte et 4 dégâts de chacun. C'est bon? Oui. Alors j'ai 3. Donc je vais prendre. Ah, mais c'est pas un champion. Champion, non. Bon, de toute façon, j'ai trop le choix. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je vais jouer ça et ça. Du coup, je récupère 4 points de vie. J'ai 6 et un 7. Ben, 4 et 3. On n'a pas beaucoup eu lui, tiens. Non. Je peux avoir la règle du jeu, s'il te plaît. Non, non. Ah, si. Tu vas reprendre les boucliers ? C'est bon? T'as fait quoi là? Parce que t'as rien dit en fin de compte là? Mais j'ai pris ça, c'est tout. D'accord. À moi? T'as hésité? Est-ce que c'est à moi? Oui? Je gagne un de maîtrise. Et
Et je fais 17 dégâts. Ouf. Non. J'aimerais avoir un point de vie, s'il vous plaît. Tu copies celui-là pour faire 10, en fait ? Non, celui-là, pour faire 12. D'accord, 12 et 5. Maman ? Quoi ? Tes points de vie ? Combien de dégâts ? J'aimerais avoir tes points de vie. 24. Papa, moi j'ai 10, 36. Sur toi. Ouais. Et donc ça fait 21. 2 sur toi. Ok. C'est bon ? Oui. Alors. Je gagne 2 de maîtrise. Je passe à 13. Je gagne 10 points de vie. Ensuite, j'ai 2. Il n'y a pas grand chose à prendre. Du coup, je prends 1 de maîtrise. Et j'ai 4 dégâts et un joueur adverse perd 2 de maîtrise. Si j'ai un champion en jeu, donc tu descends de 2, s'il te plaît. Et 4 dégâts, 2 et 2. C'est vrai. J'aurais dû tout foutre à... Alors, piocher une carte. Envoyez un champion depuis votre défausse dans votre main. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte là ? C'est quoi un champion ? Qu'est-ce que j'ai comme champion ? J'ai pas de masse en fait. J'ai que celui-là. Donc là. Donc je gagne 1. Alors ensuite. Envoyez un mercenaire depuis votre défausse dans votre main. Alors, je vais faire ça. C'est bon, je suis là, donc je pioche 2 cartes, c'est ça ? 1, 2. Donc, je joue ça, piocher une carte. Une carte. Alors, Homodeus, Maki et Spectra, j'ai les 3. T'as les 3 là. Donc je gagne 3, 8, 10. Waouh! Putain, t'étais au fond du gouffre, t'es passé devant tout le monde là. 17. C'est moi qui suis au fond du gouffre depuis le début. Moi non. Aussi. Recrutez gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins et mettez cette carte dans votre main.
Combien j'ai sinon? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 8. Alors, recruter gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins. Je peux prendre ça, c'est ça? Donc je peux l'avoir dans ma main. Et j'ai 8. Mettez directement en jeu le prochain champion Modéus que vous recrutez ce tour-ci. C'est bon? Ben, c'est celui-là. Non. Ah, c'est pas un champion? Oui. Non, mais là, j'ai pris une carte qui coûte 6 ou moins et le champion, donc je peux le prendre aussi directement dans ma main. J'augmente de 1. Non, mettez en jeu, oui, c'est direct, hein, tu le mets. Voilà. Alors, j'enlève. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, ça reste. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et du coup... Alors, ah, j'ai 3 supplémentaires si je veux. Du coup, pour 3, est-ce qu'il y a quelque chose? Pour 3, je prends ça en... Oui, en montée à 20. 20. Du coup, je peux piocher 2 cartes. Je sais pas. Pas si tu les as pas déjà activés en fait tout cela là. Et je pense que l'effet tu je peux le faire, bah tu l'as activé puisque tu as pris 3 quand même aussi. Donc on peut pas faire l'effet non, qui est en je tour? Crois pas. Pas une fois que tu l'as activé en fait. C'est le prochain coup où tu l'activeras en fait, il me semble. Je vais peut-être te confirmer ça. On enlèvera des points de vie en fonction des minutes de ton jeu. Bah, moi joueur. Je sais pas, je demande. Oui, enfin. Alors. Ah, ça fait beaucoup quand même, hein. Micro. Tout effet indiqué après activé s'applique une fois que le champion est activé. Hein? Donc tu l'actives. Et après, je suis persuadé que... Je vais mettre une petite pause. Est-ce que je prenais ça alors? Bah si tu prends pas ça, tu prends pas les 3 du coup. Tu pioches 2 cartes du prends coup ça. Quand même. Donc t'es revenu à 18 là? Oui. Ouais, s'il te plaît. Quel escroc! 18, et du coup, alors en one shot, donc ça fait 6 et 3, 9. Si elle avait été à 20, elle aurait 10, activé sa capacité du coup ou pas? Non, parce qu'elle avait déjà activé les champions. 18 dégâts. Ouais, j'ai 31 et 23. Ben 12 et 6. Voilà. Ça fait 19. Toi, t'as combien du coup? 17. Donc, ça, je la mets en dessous. C'est ça? C'est bon? Ouais. Du coup, je mets ça. À toi, Gab. Alors, ok. Ok. Alors. 4 cristaux, j'achète ça. Ouais. Ok. Oh là là, quoi que bon, c'est pas fait, mais bon. 7 dégâts sur maman. Sur moi? Oui. C'est toi, maman, je crois. Oui, c'est non, pas, mais je veux dire que tu moi, m'as fait pas péter des champions. Ah, mais tu en prends 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ça là. 4. Ouais. Et je cherche une carte.
Ah mais non, j'ai un bouclier à 8. Pardon. Tu t'es pas remonté de 8 là. 7. Non parce que... Ah oui, j'ai un bouclier. Bah oui, je me suis... Bon, ça y est, oui. Cru. Non. Faut pas 1000 ans, non mais... Ça va, je dois mélanger mon paquet comme je veux. Je peux bannir une carte après l'avoir utilisée ou pas? C'est-à-dire? Non. Utilise une carte. Non, c'est bannir, de ta défausse ou de la main. Ok, bah... De dégâts sur toi, du coup. Sur moi? Oui. Il a eu 2 dégâts supplémentaires. Tu peux pas lui péter un champion? Un bouclier. Non, mais on s'en fout de son bouclier sur le champion. Tu peux lire sa carte, s'il te plaît? Si vous avez général 1, je ne peux pas être attaqué. Merci. Il y est oh, bon, bah, 2 sur moi, quoi. Oui, super. Bon, moi, je vais piocher 2 cartes. Tac et tac. J'ai gagné 2. J'ai gagné 1 et je gagne 5. Je gagne 4. J'ai pas de défausse. Youpi. Ah. Ah bah du coup, regarde. Magnifique. Quel dommage. Ouais. Quoi? Je peux pas la prendre. Et après, on dirait qu'il n'y a pas de chance de ce côté-là. Là. Et renvoyer un mercenaire, j'avais pas de défausse. J'ai que 3 dégâts à faire. Non, j'ai perdu. J'en ai déjà eu. J'ai que 3 dégâts à faire. Bah ouais, je peux pas les faire sur madame. Donc, je les fais sur toi. Bon. J'ai une carte. On est quand même mal barré, hein? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8. Allons-y. Et en plus, alors, le deuxième portail, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Bah, 1. Bah, tu veux pas faire tes achats. Ah, donc tu l'actives. D'accord. Oui. Donc, tu fais piocher 2 cartes. Bah, non, je suis qu'à 19. Ah, pardon. Voilà. Celle-là, tu pourras pas l'appliquer, du coup. Et si je paye un maintenant, je peux faire celui-là? Oui. Mais j'ai pas d'effet, en fait, c'est ça? Bah, là, tu auras plus de dégâts. Là, tu as un truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Après, t'as elle, hein, pour 3, tu l'actives si vous avez... Ah non, t'as non, pas joué pas. Une carte de chaque. Alors, du coup, je paye 1. C'est tout le temps comme ça. J'augmente à 20. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends. Quoi, parce quoi. Que si tu comptes, ça veut dire que tu as déjà activé ça. Et ça. Oui. Ben c'est bon, non? Oui. J'ai pas fait comme il faut. Ça veut dire que... J'ai payé 1 pour augmenter ma maîtrise. Donc, ça veut dire que tu l'actives et que tu peux utiliser ça. Oui. Voilà. Mais fais dans l'ordre comme il faut. Donc, 1, 2, 3. 3 et 3, 6 et 1, 7. Non mais... Bah je réfléchis, attends. Ma foi, et celle-là, là, tu la prends mais pas? Mais je l'ai déjà. Et alors? N'importe quoi. Oh là là. Alors, oui, bon bah... Bah ma foi. Pour 3. Là, mettez cette carte dans votre main. Du
Du coup, je prends... Bah, tu pioches. Oh, fratche d'eau. Ah, du coup, je prends ça. Et après, il me reste encore 4. Tu la mets dans ta défausse si tu la prends direct. Non, mettez cette carte dans votre main. Ah, d'accord. Mais tu pourras pouvoir la jouer après. Et du coup, je peux prendre lui. T'en es où, là, parce que... Eh ben, pour 3, j'ai acheté ça. Il me reste 4, donc j'achète lui. Ouais. Et je peux le mettre directement en jeu. Ok. Là, là. Là. Et là. Donc ça fait 2, 8, 9, 10, 11, 22 dégâts. C'est ça? C'est, ça double tout ou ça double que ça? Non, ça double tout. 22 dégâts. Bah 18 sur toi, Gab. Okay. Je meurs comme ça? Ah bah voilà. Ok. Et le reste. Ah, d'accord, okay. Donc il m'en restait combien sur moi là? 4. J'en prends que 2. Ok. Bah, du coup c'est à moi. Renvoyer un champion si j'en ai un depuis votre défausse, que j'en ai pas. Donc, j'en ai 2. Bon, j'ai que 2 cristaux. Donc je vais prendre ça. Ensuite j'ai super 4 dégâts. Du coup je vais te faire péter lui. Et voilà. Ah non, j'en ai 2 de plus. J'en avais bah du coup, c'est lequel que je peux pas attaquer, lequel je peux attaquer? Celui-là, tu peux pas l'attaquer. Bah celui-là, je peux alors. Oui. Allez hop. Tu comptes les dégâts d'abord. Ah, parce qu'elle te tue. Parce que tu fais combien là? Alors 36 et. Bon, c'est bon. D'accord. Ok. Bon. Bah dis donc, ça a bien tourné d'un côté là cette fois. Mais alors comme il faut quoi. Bon, j'espère qu'on aura notre revanche, Gabriel et moi. On se basera sur cette dernière partie, ça sera assez sanglant. Voilà. Bah, tu m'excuseras, fallait bien que j'en tue un des deux d'abord. Donc, on vous dit à bientôt pour une autre partie. Et bon, en espérant que ça se diffuse comme il faut et puis et que ça soit un peu plus équilibré. Et que j'ai pas fait à bientôt. Bêtises.